Bon, vous connaissez, les amis, j'ai eu la chance d'en retrouver encore. Et du coup, je vais en ouvrir une. Bah, les gars, je pense que j'arrêterai jamais tant que j'ai pas une pochette en or, hein. En vrai, c'est notre main goal. On aimerait bien un jour s'offrir une pochette en or. On va se tenter une petite Poké Rêve, encore une fois. Donc, encore une fois, produit du youtubeur américain qui vend sur son site, mais quand ça pop, ça reste même pas 3 heures. Et du coup, je vais en ouvrir une pour moi, les potes. Et on va voir ce que ça donne. Donc, du coup, à l'intérieur, 5 boosters épée bouclier US. Et derrière, vous avez un booster rare d'une couleur aléatoire. Et par exemple, le gold, c'est du wizard ou du diamant et perle, etc. Tu vois. Donc, on a voilà. En silver, on a déjà des belles collections. Et même en rouge, hein, XY, ça peut commencer déjà à être intéressant. Donc, écoutez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous spoil pas la couleur. J'essaie vraiment d'ouvrir sans que vous voyez la couleur à l'intérieur. On ouvrira à la toute fin l'enveloppe. Parce que c'est une enveloppe en fait où il y a. Pas une enveloppe, c'est une pochette quoi. Là, je vais sortir les boosters déjà sans me spoil moi. Voilà, on a les boosters déjà ici. Et du coup, nous avons du Reine de Glace, Point de Fusion, Zénith Suprême, Darkness Ablaze, c'est Ténèbres Embrasées. Et Origine Perdue, tiens, on avait rarement eu du Origine Perdue sur les premières, donc c'est cool. Ça va, t'es sur Vogt? Non, moi je suis sur Shiny pour les ventes aux enchères. Allez, c'est parti, Reine de Glace. Alors, on le rappelle, hein, bien évidemment, toutes les collections, tu peux avoir des hits qui peuvent éventuellement te rembourser ton achat. Hein. Après, bien évidemment, on veut tous vivre cette opportunité d'ouvrir un item avec une enveloppe gold à l'intérieur. Ça serait de la folie, quoi. Au niveau du 8 ici, ça va être une reverse de l'expédition. Et pas de hit. Enfin, oui, une holographique quand même. Ron Grigou, un des deux. Vous avez compris. Allez, point de fusion. On l'a fait en 2 spi avec Minum. Negapi, du coup. Et pas ouf. On a du Zénith Suprême. Alors, je vais pas vous mentir, hein, moi, en anglais, vu que je fais pas les collections, j'aurais juste envie de packer une petite carte sympa, quoi. Mais je fais pas la collection complète, je les ai déjà en français. Je fais pas l'anglais. Mais là, sur des produits comme ça, j'aime bien tenter ma chance. Et ici, malheureusement, toujours rien, hein. Pour l'instant, on n'est pas chanceux, hein. Ténèbres Embrasées. Bah, allez, hein, pourquoi pas un petit... Je crois qu'il y a un petit drac au feu là-dedans, il me semble. Mais je suis pas sûr de ce que je vous dis. Allez, on va voir seulement les cartes qui nous intéressent ici. Ça sera un Tauros. Et malheureusement, toujours pas de hit. Et les gars, moi je vous dis, ça sent bon. Zéro hit, ça sent l'enveloppe. Et Origine Perdue, bon bah alors là, je vous le dis, hein, un Ptera, c'est bon. Hein. Allez, let's go. On va voir les trois dernières. Parce qu'on peut avoir un hit ici. Ce n'est pas le cas. Et derrière, eh ben, zéro hit sur mes 5 boosters. Donc on est un peu déçu quoi. Bon les gars, il reste plus qu'une chance, c'est le booster aléatoire, le booster mystère. Allez, donc on le rappelle, les couleurs, vert, c'est le moins bon. Rouge, ça commence à être intéressant. Silver, on est déjà très content. Et le gold, ben c'est le god, hein, c'est ce qu'on veut vraiment, c'est ce qu'on essaie de trouver. On a ouvert déjà plus de 24 au total, c'est la 25e qu'on ouvre dans notre vie. Et toujours pas de booster gold. Mais là, peut-être avec... Ce n'est pas ce qu'on voulait. Bon, espérons au moins une collection qui peut avoir des beaux hits. Il y a des quand même mieux que d'autres, hein. Voilà, bon, bah c'est la pire. On n'aura pas eu la chance, hein, malheureusement. Est-ce que ça veut dire qu'on va en ouvrir une autre? Je sais pas. Mais là, malheureusement. Poké Rêve, il faut qu'on s'appelle, toi et moi, hein. Parce que là, ça va pas, hein. We have to have a call. Because I'm not really happy, hein. Non, les gars, je pouvais pas rester sur notre première. Non, je pouvais pas rester là-dessus. Donc je retente. Je sens la pochette argent. Écoute, on verra bien. J'espère mieux qu'avant, en tout cas. C'est pas dur à faire, mais ça peut être la même chose, hein, au final. Alors, Astre, Radieux, Brilliant Star, cool. Ça, j'aime bien. Clash des Rebelles, Voltage Éclatant et Reine de Glace. Franchement, bon, hormis l'Astre Radieux, toutes les collections sont plutôt cool. Hein. Allez, on va voir ce que ça donne, les potes. Et on espère, bien évidemment, une pochette qui va nous faire rêver. C'est ce qu'on rêve de faire. En fait, je veux juste une fois avoir une gold et après, j'arrête. Mais là, si je fais le compte du nombre que j'en ai ouvert, au total, j'ai eu l'opportunité d'en ouvrir 26. Ça, c'est la 26e, toujours pas de gold. Ça veut dire que là, sur la proba, on est vraiment pas chanceux. Là, ils disent 1 sur 25. Oh, il y a peut-être quelque chose ici sur Brilliant Star. Attention. Ah, bon, le Mickey VMAX, il est joli, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche à l'heure actuelle pour se rembourser un éventuel achat de ce produit-là. Une simple VMAX, ça ne suffira pas, mais ça fait au moins un hit. Hein. Je vous rappelle que la première, on a eu 0 hit. Allez, on est sur un petit booster ici, Clash des Rebelles. Pas grand-chose sur Clash des Rebelles, en vrai, qui nous fait rêver, je vais pas vous mentir. Et là, c'est un pal artichaut et un Dragapult. Rien de bien fou. Allez, on est sur Vivid Voltage ici, un petit Pikachu. Oh, un petit Celebi Amazing. Ça, on est content, en vrai. C'est joli. Et la carte rare. Petit Celebi, il est beau, hein. J'aime beaucoup cette carte. Très sympa. C'est dommage qu'il n'y a pas en français. Ah bah, lui, il vient des US, donc logiquement... logiquement, hein. On va pas faire en français. Allez, Reine de Glace. La dernière opportunité pour faire une petite full art alternate, là. Je vous rappelle que sur Reine de Glace, il y a quand même les oiseaux qui sont incroyables en alternate. Et pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant? Et non. Malheureusement pas. Il va nous rester le booster mystère, les amis. Allez.
Je suis dégoûté. Et ce sera un booster Reine de Glace, encore une fois. Ça fait quand même 26. Hein. Pfff, Enolo. On reviendra. Bon, les gars, moi, je suis pas quelqu'un qui force. Hein. Mais là, quand je fais deux pochettes vertes avec ça seulement comme hit, je me dis, vas-y, je veux chatter. Donc, on réessaye encore une, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Astre radieux, origine perdue, Silver Tempest. Ok, j'aime bien. Oh, épée et bouclier. On rigole, mais... C'est pas si jeune, hein, ce booster-là. Allez, c'est parti. Au moins des petits hits qui peuvent un petit peu amortir le prix de la box. Et éventuellement, une pochette incroyable, hein, pourquoi pas. Allez, la Reverse ici, c'est un Pidgeotto. Et on a un Galoppa en rare. Malheureusement, rien dans Astre Radieux. Origine perdue. On a peut-être quelque chose, oui... Dommage. Un Zoroark V-Star. Ça aurait pu être une V-Star Rainbow aussi. Malheureusement, c'est un petit Zoroark tout simple, mais ça fait un petit. Au moins, on est content. On a un petit là-dedans. Tempête argentée, Malo. Ah, il y a peut-être quelque chose. On a un petit radio déjà à la Kazam. C'est sympa. On a un... Et en rare, bah non, en fait, on a rien. C'est une carte, voilà. On a un petit radio. Tu sais quoi, on va le compter comme hit parce qu'on est sympa. Mais bon, on va doser, hein. Allez, point de fusion. Est-ce que point de fusion nous réserve une dinguerie? La reverse. Et ce sera une simple holo, malheureusement. Et là, du coup, épée et bouclier, je vais pas vous mentir. Je ne sais plus trop ce qu'il y avait dans cette collection-là. On verra bien. D'ailleurs, on va regarder les cartes parce que je connais pas bien cette collection. Ah, il y a peut-être un hit ici, les gars. Alors, tu vois, c'était quelle année, ça? 2020, ça fait déjà 3 ans, hein. Donc, tu vois, on est déjà sur un booster plutôt sympa. Alors, c'est pas, voilà, il y a pas une cote de fou, mais ça reste sympa. Une reverse ici. Et derrière, mais oui, une petite V de Culbutoquet. Bon, bah, on n'est pas riche avec ça, hein. Mais bon, derrière les gars, il nous reste la pochette. Bon, bah là, si c'est du vert, il faut leur penser à arrêter, hein. Allez. Ouais, bah là, j'ai... Ma chance légendaire, hein, vraiment, je vous dis, je suis pas chanceux en ce moment, c'est fou. Que du vert, là. Et c'est quoi dedans? Bah encore, ouais, bah oui, mais bon, alors bon, je vais pas faire semblant d'être content, quoi. Mais là, c'est compliqué, en vrai, non, c'est compliqué. Putain. Moi, je crois que c'est la pire vidéo ouverture que j'ai fait de ma vie. Est-ce que je vais craquer en refaire une? Non, bien sûr que non. Ne faites jamais ça. En plus, là, je suis dégoûté, tu sais pourquoi? Parce que là, en fait, j'ai ouvert et j'ai eu un coin d'œil qui a regardé. Et le coin d'œil qui a regardé, il a vu un truc briller de ouf. Genre en mode, il y a de l'or, quoi. Tu vois? Donc là, je commence à être hypé. Mais je sais pertinemment que mon œil a mal vu, en fait. Allez, je me hype pour rien. Oh, quand même! Bon, un petit Silveroi Cavalier du Froid. On n'est pas remboursé, les gars, mais bon, voilà, ça fait plaisir d'avoir un petit hit, quand même, quoi. Le vert, c'est une couleur qui brille beaucoup, aussi. Non, mais après, si vous êtes pas sympa, aussi, les potes, et vous y croyez pas, on va pas y arriver. Allez. Bon, ici, malheureusement, il n'y a pas de hit. Parce que j'ai compris des codes anglais. Parce que tous les codes anglais spoil, en fait, hein, donc c'est un peu relou. Clash des Rebelles. J'ai jamais fait de hit, je crois, sur Clash des Rebelles, en vrai. On en a ouvert, hein, vu qu'on a ouvert des Pokébox chez lui, mais... J'ai l'impression qu'en fait, les hits n'existent pas, cette collection. Allez. Oh, un petit... Il est sympa, l'élector holographique. Tiens, tu sais quoi, on va quand même lui le respecter un peu. Il est vraiment sympa, ce petit élector. On va le compter comme un hit, tellement je suis sympathique. Allez, dernier booster, Reine de Glace. Vas-y, file-moi une alternate, on n'en parle plus et je serai content de l'opening. File-moi une alternate. Reverse, boum. Bon les gars, tout va jouer maintenant. Alors comme je vous le dis, en fait j'ai ouvert et du coin de l'œil, j'ai vu du doré. Et en fait, voilà, je pense que j'ai bugué. Parce que dedans, c'est... Bah c'est peut-être ça que j'ai vu en fait, hein. Non mais franchement les gars, 4 de suite, 4 enveloppes vertes, c'est grave non? Sérieux, les probas là, oh? Elles sont où les probas? En vrai là j'ai un seum incroyable, en vrai je vous dis la vérité, là je suis vraiment limite triste. Parce que tu vois, tu fais un investissement pour te dire vas-y on va sortir une belle vidéo. Après ça va, je m'en étais proché d'en ouvrir une quantité, j'ai pas dépassé cette quantité. Mais disons qu'il m'en reste plus qu'un seul, après je ne dois plus ouvrir. Bah ouais, là je suis en train de me dire, bon la proba que j'ai une pochette d'une autre couleur, là elle va être quand même assez forte, non? Ne faites pas ça chez vous. Non, bien évidemment, je le fais pour vous montrer. Si vous en voulez une, pourquoi pas, mais sinon non, quoi. Je vais garder ça pour la fin. J'ouvre à l'américaine, vu que c'est les boosters américains. Heatran. Ici, rien. Zénith suprême, c'est possible de taper un petit truc ou... Non, bah moi je me spoil pas, parce que sinon j'ai même pas envie d'ouvrir les boosters si je vois du vert. Ah! Un vieux Kyogre. Bon, écoutez, c'est un petit hit, quoi, on prend, mais c'est pas forcément ce qu'on veut non plus. Et là, maintenant, faut taper l'alternate, c'est maintenant, hein, vraiment. Non. Et Reine de Glace. Bon, ces oiseaux, on en rêve, mais on les a jamais, hein.
Bon, ben écoutez, pas de full art, rien sur... au final, ça fait quoi? 5? 5 x 5, 25? Ça veut dire 25 boosters, plus encore les boosters rares. Ça veut dire... non, 5 x 6, 30 boosters pour 7 hits. C'est pas déconnant, franchement, non. Au niveau du nombre de hits, oui. Après, c'est la qualité des hits qui reste à désirer. Et la couleur de la pochette, si c'est vert, les gars, je vais pleurer. Oh, vas-y, c'est trop, frère, c'est quoi le délire, en fait? Une sur 5, c'est rouge. J'en ai ouvert 5. Et que du vert. C'est trop là, c'est trop, non, sérieux! Rien! Bah, vous savez quoi, sur la vidéo, ça peut vous intéresser. Un petit like, un petit commentaire pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'irai tirer au sort un gagnant que je contacterai. Et puis, je te ferai gagner ce lot là. Et comme ça, tu la recevras comme ça chez toi, regarde bien. On va faire ça officiel. Par contre, tu m'enverras une photo, toi, le futur gagnant hein, de ce lot-là. En quoi tu l'as bien reçu. Parce que je vois les gens, hein, des fois sur les vidéos, ils disent « Oui, il fait des concours, mais au final, il fait pas gagner. » Non, je peux comprendre qu'il y en a certains, oui. Mais voilà, et je vais écrire ici « Bravo, c'est pour le gagnant du tirage au sort sur la vidéo. » Allez, encore un bonus pack Poké Rêve. Et cette fois-ci, pour toi, Tétouze. Je dois avouer que là, en fait, si vous voulez, quand on aura tout ouvert, j'en aurai ouvert 34 de Poké Rêve dans ma vie. J'ai jamais vu pour l'instant un pack gold. Allez, let's go! Allez, pourquoi pas un peu de chance ici. Lost Origin. On va regarder seulement les éventuels hits, bien sûr. Avec Love Disc. Bronze Gang. Et Monsieur Mime. Astre Radieux. On va en avoir, regarde bien. Boum! Pas ici. Silver Tempest. Moi, je trouve qu'en anglais, Tempête Argentée, le drop était fou. Parce que j'ai ouvert quelques displays en anglais. Et je trouve que les hits, il y en avait beaucoup, beaucoup quand même. J'espère te prouver ça. Avec un garde-voir. Et il faut que je me taise. Voilà, non, mais on va le dire. Après, bon, si on hit sur Point de Fusion, hein, Mentali, VMAX, Alt, ça me va. Hein. Point de Fusion, Quillfish, Enchouette. Putain, ça ressemble beaucoup à ma box à moi. Hein. Il reste plus que Vivid Voltage et puis un Pikachu Rainbow pour être content ici. Sinon, on va être déçu. Ouais, un petit Pikachu normal, tu vois. Voilà, un truc qui nous fait kiffer, là. Tout va jouer dans l'allée booster. Aïe, 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 j'aime pas ça, j'ai peur. Allez, faisons quelque chose de fou, si possible. C'est maintenant la couleur de ton booster et de couleur... Oh, bah ouais, bien sûr. Putain, vous avez tous des couleurs différentes, ça me saoule. XY évolution, enfin t'as XY ou soleil et lune. Allez, bonne chance. Qu'est-ce qui va tomber ici? Oh, elle est belle. Il est beau le booster. Aïe, tu peux avoir des belles cartes ici à l'intérieur. C'est quoi le nom déjà? Unbroken Bound, c'est Alliance Infaillible. On espère un hit, hein. Ça va être chaud là. Hein. Allez, bon bah, il n'y a plus qu'à espérer un drac au feu. Hein. S'il te plaît, fais-le. Nosferapti, Smogo, une énergie. Janine. Ratatak. La triple accélération énergie. Une reverse commune. Dracaillou. C'est rare feu hein, quand même. Hein. Oh non! Malheureusement, pas de méga hits. Désolé, ma T12. Non, parce qu'en plus, il faut espérer chatter après, quoi. On parie combien? J'en reprends une, je fais une pochette verte. Poker Rêve, je vous ai dit, j'en ouvrais 5 pour moi, je vous en laissais 5. Du coup, on va en ouvrir une. Pour toi, l'unlog, mais c'est pas moi qui choisis. Ah, ok, la numéro 2. Vas-y, la numéro 2, elle est là. Vas-y, la numéro 2, elle est pour toi, frérot. Je souhaite bonne chance. Mais voilà, je sens qu'il y a le somme qui va arriver. Hein. Je sens qu'il y a le somme qui va arriver, hein. Vraiment. Ça va être dur, je sens que ça va être dur. Allez, je vous spoil pas la couleur. Alors, les boosters, où sont-ils? Voilà. Il a un Brilliant Star Dracaufeu. Moi, j'ai pas eu. Ok, Clash. Mais... Oh, putain, j'ai cru que c'était Evolution Celeste, j'ai failli t'insulter. Oh, ça va. Allez, premier booster. On y va. Tu verras, tu vas être sûr. Il va taper une... Putain, elle fait plein de choses, hein. Il va taper une secrète ou une full art ou un truc. C'est sûr. Pangoléon. Zénith Suprême. On y va en speed. Une belle... Putain, j'y ai cru. Une belle reverse. Et non, par contre, pas ouf, quoi. Clash des Rebelles. Clefairy, Voltorb, Growlithe, Deepy, Snorlax, Energy, Chunky, Sonya... Ouais, je fais l'anglais. Pelipper. The Reverse. And... Oh... Clefable. Reine de glace. S'il y a bien un hit où il faut faire, moi je trouve c'est là. Franchement, les reines de glace, les alternates des oiseaux, elles sont juste trop belles. Après, j'en parle, on n'en voit jamais la couleur. Mais voilà, hein. Box à 0 hit. Pour le moment, box à 0 hit, ouais.
Ouais, bah peut-être qu'en fait, t'as encore moins de chance que moi. Éventuellement, Vivid Voltage. Et là, hop, Pikachu Rainbow. Non, putain, 0-8. Oh, c'est dur. Là, ça va être un paquet vert. 100%. Faut jouer psychologie inversée. Imagine, on est sur du noir et blanc. Voilà, c'est comme ça qu'on fait psycho. Oh bah rajoute dans une couche. Viewer 1, psycho 0. Ouais ouais non, bah je suis même pas sûr que je vais laisser les autres parce que j'ai peur là. C'est quoi, il prend tout le vert, il laisse le... Ouais bah oui, je suis sympa. Hein. Alors, on est sur Noble Victoire. On en a déjà eu hein, une fois de Noble Victoire. En vrai, limite, t'es remboursé hein, sur le prix du booster. Allez, alors on ouvre. Bah merci de nous offrir cette ouverture. On va essayer de l'ouvrir correctement et je te remettrai après dans la pochette. Oh, j'ai un bon feeling, putain. Vas-y, sors-nous un petit truc sympa. Blitzel. C'est tout à fait. Gricknot en commune. Encore une commune ici avec Chlorobulle. On est sur un Scalpion. Ouais, 2011. Hein. Peu commune maintenant avec un Fermite. Peu commune encore avec un Fossile. Une peu commune avec Stompings. L'immonde. Et on part sur la Reverse. Reverse peu commune. Ah, le Fossile, c'est pas fou la Reverse. Allez, faut espérer ici. Mais non, mais non, mais non. Allez. Oh là 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 là. Terrakium, elle est incroyable. Wow. Magnifique carte. Wow, elles étaient classe. Il est badass, hein. Eh bah, ben, bien joué. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. J'ai bien joué, je me tais, t'as gagné, j'ai perdu. Bon, félicitations, hein. On va craquer, il en reste 3. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, au final, je suis allé jusque-là. Autant aller jusqu'au bout. Ce sera les dernières. Pokérev contente. Et après, de toute façon, on n'en aura plus. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour l'instant, on n'a pas été chanceux vraiment, voire pas du tout. Nous, on espère éventuellement s'offrir une ouverture plutôt sympa et on va chercher la gold, hein. Allez, il m'en reste 3. On va essayer d'aller chercher la gold, de voir ce que ça peut donner, les gars. Et on va se garder les boosters, bien sûr, de la poche. Bon, bah, je me suis spoil, donc je vous montre, hein. Voilà. Bon, comme par hasard, nous, on repart sur du vert. Tu sais quoi, on va tous les faire. Oh, évolution céleste. Ça, c'est sympa. Allez, tu sais quoi, vas-y. Voyons voir. Oh, tiens, du vert encore pour Psycho. Bah ouais, bah bien sûr. Bah bien sûr. Putain, franchement, j'ai pas de chance, c'est grave. Vas-y, la dernière, on la garde en suspense. Non, c'est trop. Au moins, j'ai 2 évolutions célestes. Pourquoi moi, j'ai pas de chance, en fait? C'est dur. Putain, si je fais 3 verts, franchement, je vous jure, je pleure. Bon, on a en tout cas 10 boosters à ouvrir. J'ouvre la dernière après. C'est pour le time watch, si jamais, parce qu'il y a que du vert, les gens vont pas regarder. Premier booster, rien. Oh, ça y est, voilà. Tu vois, je regrette déjà. Après, à tout moment, attention, on a du évolution céleste. Évolution céleste, ça peut éventuellement carry de ouf, hein. Allez, j'ouvre à l'américaine parce que là, franchement, on est tellement déçus déjà de voir du vert qu'on s'en fout. Ici, nous sommes sur du tempête argentée. Un code blanc, malheureusement, c'est mort. Voilà. Épée bouclier. Bon, après, ça reste en anglais, mais oui. Une évolution en alternate, on est content. Après, on a que 2 boosters pour le faire, quoi. Y'a moyen, le gars qui te les vend, il les pèse? Non. Enfin, oui, 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 bah bien sûr, y'a toujours moyen de se faire arnaquer. Après, lui, non. Lui, il a toute sa réputation, il a toute sa carrière qui est basée là-dessus. Il aurait rien à y gagner à faire ça, quoi. Donc, non. C'est bon, on parle de booster quand même, épée et bouclier, quoi. Je veux dire, tranquille. Et on l'a déjà vu, on a eu des hits, hein, dans plusieurs collections, donc voilà. Regarde là, on a un hit. Luxray, tu vois, sur un sort radieux. 2 reines de glace, franchement, je suis content aussi parce que c'est une collection que j'aime beaucoup. Après, il faudrait quand même commencer à faire un hit une fois, quoi. Mais non, quoi, c'est que des holos. Hein. On n'arrive pas à faire les hits où on veut. Joli Luxray. Ouais, bon, après, ça vaut un bal, quoi. Donc, c'est pas ça qu'on veut, on a déjà eu plein, tu vois. Nous, on aimerait bien des cartes un petit peu plus rares. Celebi Max, dommage. C'est pas dégueu, mais dommage. Une holographique, malheureusement, sur Evolution. Allez, tout doit se jouer là. Ou éventuellement dans les 2 pochettes vertes qu'on a sorties. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut, hein. Malheureusement. Je crois qu'il n'y a pas de hit ici. Moi, je suis vraiment pas chanceux, hein. Allez, voyons les 2 premières pochettes vertes qu'il y a. Et la dernière, on va garder le suspense jusqu'au bout, hein. Mais ouais, on est un peu déçus. Voltage éclatant. Point de fusion. Oh, ok, il y a des hits sympas dans les 2 collections, donc pourquoi pas. Il y a des hits sympas dans les 2 collections.
Il y a des hits sympas dans les deux, ouais, pas de hits. Les gars, je vais pas vous mentir, on est quand même déçu. Alors la proba est respectée, hein. La proba est respectée, on a eu la couleur silver sur une des pochettes Pikachu. On a eu de la couleur sur une des pochettes. Mais bon, après c'est vrai que à titre personnel, là il nous en reste plus qu'une à ouvrir. Ça risque d'être chaud. La dernière, elle est là. C'est la dernière qui peut peut-être sauver ou ruiner un espoir. On avait 10 Poké Rêves. Oh! Let's go! Putain! J'en ai ouvert 34. C'est la 34e pochette. Je tremble. Oh, je suis comme un fou. Oh! Oh, wow! Wow, 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 wow! Oh, elle est là! Oh putain! Oh là, je suis comme un... Pardon. Ah, tu sais que pour les collectionneurs comme nous, avoir l'opportunité de voir un booster ancien comme ça, c'est fou. Les gars, j'ouvre vite, je veux pas vous mentir, je m'en fous. Je veux juste voir ce qu'il y a. Oh, ça aussi sera pour vous à la fin. Oh putain, tu vas voir quoi dedans? En vrai, le plus, moi je veux un... moi j'aimerais un set de base, mais les gars, peu importe. En vrai, là, peu importe, je suis déjà super content. J'ai entendu crier jusqu'à ma cuisine, je me suis dit, c'est y est, la pochette gold. Oh putain, c'est incroyable. La question, c'est est-ce que tu vas l'ouvrir? Oh putain, les gars, je sais pas. Franchement, ce sera peut-être, je sais pas. Les gars, on va analyser la situation à l'instant T. On va y réfléchir. Il y a de fortes chances que oui, je l'ouvre, mais bon. Tranquille. Je suis trop stressé, frérot. On a la pochette gold. Putain, on l'a eu, les gars. Non, mais les gars, cette de base, c'est rare, hein. Pensez pas qu'il y a du set de base dans toutes les golds, hein. Maintenant, faut encore. Tu vois, on a déjà eu une chance inouïe d'avoir un booster gold. Maintenant, il faut avoir une chance inouïe pour aller chercher une collection de fous, tu vois. C'est ça le truc. Bon, en termes de hit, on a pas eu grand chose. Bon, bah, les gars, c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que une série prend fin. Wizard, diamant et perle, platine ou Earth Gold Soul Silver. Ça, c'est des illustrations de ce qu'il peut y avoir, mais il n'y a pas que ça. C'est historique. Allez. Ça me paraît très ancien, moi, quand même. Dis-moi pas ça. Non, dis-moi pas que c'est jungle, je vais pas supporter. Aussi vieux de ma vie dans les mains. Wow, c'est incroyable. Pour un collectionneur, regardez ça. Non, franchement, j'ai la larme à l'œil. Pour un collectionneur, c'est juste fou. Oh. Ah, je suis désolé, les gars. Franchement, j'ai pas les couilles. Voilà, je vous dis la vérité, là, à l'heure actuelle, franchement, j'ai trop de plaisir à voir ça dans ma collection, tu vois. J'ai jamais eu l'opportunité d'avoir un booster aussi vieux dans ma collection. J'ai pas besoin d'argent à l'heure actuelle. Et juste d'avoir ça, c'est fou. Donc voilà, j'ai vu entre 400 et 600 euros. Ouais, bah là, clairement, je suis remboursé de toutes mes box, quoi. Donc voilà, franchement, c'est... Tu vois, on a une cagnotte ici en haut sur le stream Twitch. Voilà, chaque petit don, on les met depuis longtemps, hein. Mais voilà, on avance petit à petit. J'ai un rêve, c'est m'offrir un booster du set de base. Et ben là, en fait, limite, j'y suis à côté. Et c'est de la folie. Et franchement, pour un collectionneur, je pense que tous les collectionneurs, vous savez très bien. Bien évidemment, t'as envie de l'ouvrir, mais d'un autre côté, d'avoir cet item-là dans ta chambre, ben c'est fou. Bon, du coup, les gars, je vais déceler le bravo. Parce qu'au final, eh ben, y a d'autres choses à gagner. Vous m'en voulez pas. Du coup, sur la vidéo YouTube, je rajoute tout ça à l'intérieur. Il y a même un petit Pikachu anglais qui pop ici. Pour 1 million d'abonnés sur YouTube, on n'y arrivera jamais. Franchement, je vous spoil, les gars, la fin de l'aventure YouTube, on n'arrivera jamais à 1 million. Mais bah vas-y, ouais, vas-y, 1 million d'abonnés YouTube, je l'ouvre. Vas-y. Je risque rien du tout. Non, en vrai, c'est... Si vous vous rendez pas compte. Je savais que avoir ce genre d'item pour un collectionneur, c'était une joie immense. Je pensais pas à ce point-là. Là, ce que je ressens là, c'est fou, c'est un délire. Je me dis, putain, j'ai un booster jungle. Il a quoi, 26 ans, le booster? 25 ans? Tu te rends compte, la passion
Tu vois, c'est ça le délire, quoi. Bon, les gars, je reviens, je vais prendre l'air là. Là, j'ai eu un coup de chaud. Et je reviens ici quelques instants.